Yahoo Bidi Bonche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour ma deuxième vidéo conclusion et par genre de manga. Donc cette fois-ci, comme tu as pu le voir dans le titre ou dans la miniature, on va attaquer donc avec les hentai pour cette deuxième catégorie. La première c'était Josei, je te mets le lien de la précédente vidéo en i et en barre d'infos tout simplement. Donc je fais vite fait un récap parce que comme c'est la deuxième vidéo, les conclusions de genre c'est comme les conclusions de maison d'édition, sauf que là je vais parler uniquement du genre hentai. A savoir donc que j'ai posté actuellement, donc moi le jour où je filme, demain il y a la 28e vidéo qui sort. Et la semaine prochaine, pour moi, donc on est 18 mai. La semaine d'après, il y a encore un hentai qui sort. Donc au final, on en est déjà à 29 vidéos hentai que j'ai fait sur la chaîne. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Je vais donc te parler et des mangas et des 4 animés que j'ai pu voir. Parce que je vais aussi te parler des 4 animés. Et voilà, tout simplement. Je te rappelle aussi au cas où, quand tu vas sur une chaîne YouTube, tu as donc accueil, vidéo et playlist. Moi, que ce soit sur cette chaîne ou sur les autres, je te fais plein de sous-playlists que tu puisses trouver tout ce que tu veux rapidement. Tu as donc pour les bilans lecture, bilan manga, bilan anime, film d'animation ou film humain. Tu as par tranche d'âge, 6-8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans. Tu vas avoir aussi pour les genres, donc shoujo, shonen, seinen, machin, bidule, chouette. Tu vas avoir aussi, par exemple, pour les vidéos dégustation, tu vas avoir une playlist pour les cosmétiques, pour les ouvertures de gachapon, pour les goodies, bientôt pour la K-pop. Oui. Tu vas avoir, voilà, après tu peux avoir aussi toutes les catégories de vidéos spéciales, par exemple, extrêmement engagé, achète ou pas, leur série se termine enfin, week-end à 1000, bilan, enfin conclusion de maison d'édition, conclusion de genre, etc. etc. Donc vraiment, s'il y a vraiment une vidéo en particulier que tu cherches, tu peux quand même très facilement la retrouver. Et donc voilà, donc n'hésite vraiment pas quand tu vas sur mes chaînes à regarder au niveau des playlists si tu cherches quelque chose en particulier. J'ai oublié de préciser un truc très important, mais si tu débarques sur ma chaîne, à savoir que pendant un an, donc de septembre l'an dernier à donc maintenant, j'ai posté minimum 2 présentations de hentai par mois, donc ce qui explique en fait la quantité monumentale que tu vas avoir de présentations dans cette vidéo. Et au passage, non, je ne suis pas un vieux pervers frustré car je suis une personne asexuelle, donc une personne qui n'est pas du tout attirée par les relations charnelles, que ce soit en manga, en animé ou même dans la vraie vie. Voilà, ça c'est dit. Comme ça, on va donc commencer avec le premier de la playlist. C'est donc le manga Lune de Miel Tories, qui est un manga des éditions Soleil, donc dans la catégorie érotique. Oui, parce que Soleil a une sous-playlist érotique et ils ont quelques titres. Donc, je préciserai bien entendu quand les titres sont des séries complètes, ou de A à Z à une histoire, ou quand c'est un chapitre une histoire, parce que ça change forcément toute la donne. Pour le manga Lune de Miel Torride, on est donc sur un one shot, donc un seul tome, une seule histoire. Et si je me trompe pas, c'est un one shot en fait où on va suivre les aventures d'un gosse de riche, et son père lui dit, écoute, tu te casses de la maison, tu as un an pour te trouver ta femme. Parce qu'à partir d'un certain âge, dans leur famille, ils doivent absolument avoir épousé une dame. Et il a tout simplement une seule de ses maids qui va vivre avec lui et va l'aider tout simplement à trouver sa femme. J'ai trouvé l'idée plutôt pas mal, bien que assez bâclée sur la fin. Mais au final, c'est plutôt intéressant parce qu'en plus, c'est un des rares mangas que j'ai lu qui était donc du... un manga entier tout simplement. Je suis désolée, j'avais cliqué sur une vidéo, j'avais peur qu'elle se lance et que t'entendes le bruit. On va donc continuer avec le manga L'Allumeuse. Alors lui, il a 2 vidéos de disponibles. J'ai laissé mon ancienne vidéo et ma nouvelle version de 2018. Tout simplement parce que ça te permet peut-être d'avoir 2 visions des choses. Surtout que la vidéo, elle doit dater. Vu ma tronche, je pends là-dessus. Alors la première, elle date de... Ouais, c'est ça, 11 décembre 2015. Voilà, donc forcément ça datait un petit peu, donc j'ai préféré te refaire une version. Mais j'ai laissé l'autre de disponible parce que tout simplement, le manga est quand même assez difficile à présenter, à expliquer, donc j'ai préféré avoir 2 versions. Pour ce qui est du manga, L'Allumeuse, c'est donc un manga en 2 tomes, toujours des éditions Soleil. Et ce manga est vraiment très fascinant parce qu'en fait, on va suivre les aventures d'une jeune fille qui... couche avec un de ses professeurs et qui est amoureuse de son professeur, sauf que le professeur est marié et il a carrément un enfant. Et on va donc nous parler de l'adultère, de la vision des choses de l'adultère. Est-ce réellement mal? Est-ce que c'est l'homme ou la jeune fille qui est réellement responsable et qu'il faut vraiment blâmer pour cette action?
Et on va suivre aussi tout simplement les aventures d'un jeune homme qui est tombé amoureux d'elle. Et l'histoire est vraiment très intéressante et je te conseille vraiment d'aller voir ma vidéo, surtout celle de cette année, forcément vu qu'elle est plus fraîche, on va dire. C'est vraiment un manga très intéressant et qui vaut la peine d'être lu. On va être quand même celui-ci. Alors, autant Lune de Miel, on était quand même sur un manga qui était plus charnel que histoire. On va dire 60% charnel et 40% histoire. Autant là, on est quand même sur du moitié-moitié. C'est quand même pas mal, et surtout que donc on a un scénario, et ça c'est quand même très intéressant. On continue avec le manga Pulsion Soudaine, qui est donc un one shot encore de Soleil. Tu vas voir que en fait j'ai lu beaucoup d'abord de Soleil, puis tu vas voir qu'en fait au niveau des maisons d'édition, ça a vraiment été hop hop hop, je suis passée d'une maison d'édition à une autre quasiment, mais c'est bien séparé. Pulsion Soudaine, c'est un manga, je crois que le mangaka a écrit une autre œuvre que j'ai aussi présentée. Et Pulsion Soudaine est donc un one shot avec plusieurs histoires courtes, mais il était quand même plutôt pas mal, il me semble. Par contre, je l'ai revendu, donc voilà. En fait, il faudrait que je te liste, je vais te lister les hentai que j'ai gardés. Il n'y en a pas eu des masses, hein, je tiens à préciser. Mais c'est vraiment ceux que j'ai vraiment appréciés ou que j'ai envie réellement de relire, ou qui aussi, moi un petit peu, qui a un chapitre par exemple qui m'a donné une idée. Pas forcément la même chose du tout, mais pour aussi une idée de hentai, parce que je le redis au cas où, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais j'ai déjà presque 50 titres déjà en tête d'idées de manga que j'aimerais créer, et donc forcément, dès qu'il y a un manga qui m'a inspiré quelque chose, je le garde quand même, même par exemple si le truc n'a pas été génialissime, voilà, ou alors je me note même sur un carnet tel manga, telle page, c'est telle page qui m'a inspiré quelque chose ou autre. On va continuer donc avec le manga Étudiante Coquine, donc c'est aussi un manga de soleil, c'est donc un recueil d'histoires courtes. Là-dessus, on va être donc sur des étudiantes et en fait, on va les voir tout simplement, on va être vraiment concentré sur des étudiantes qui le font un peu partout. Que ce soit encore en uniforme chez elles, que ce soit par exemple après les cours, que ce soit dans la salle des profs, que ce soit dans les. Voilà, c'est tout simplement basé vraiment sur les étudiantes. On va avoir après le manga Bon Appétit Sakura, qui est un one shot, mais par contre celui-ci, donc c'est un manga avec une histoire de A à Z. Et le manga était quand même plutôt pas mal. J'avais bien aimé l'idée et il est vraiment fun par contre comme manga à savoir. Et assez original, donc en fait on va suivre tout simplement les aventures d'une jeune fille qui doit reprendre la boulangerie de son père, et tout simplement il y a un jeune homme qui veut travailler pour cette boulangerie, et donc on va voir leur relation se faire, etc. Et c'était vraiment un manga très intéressant. Après je reste vraiment vague parce que tout simplement si je détale trop là au niveau des présentations des mangas, on est encore dans un an parce que je crois quand même que ma vidéo spéciale Josei avec 15 titres a fait plus de 20 minutes. Là, on en a 29 à présenter. Voilà, de toute façon, les vidéos, si elles sont encore disponibles et donc je te les présente, c'est tout simplement qu'elles sont à peu près correctes. Fille facile, donc c'est un one shot, pareil, un recueil d'histoires courtes de Soleil, qui était. Alors, en fait, le manga m'a déçu parce que, en fait, le titre ne correspond pas du tout. On n'est pas du tout sur des filles faciles et en plus, le résumé était vraiment mal choisi. Honnêtement, et ça je l'ai vraiment développé dans la présentation. On continue avec le manga Ma Nouvelle Femme, qui est donc un one shot. Donc quand je dis one shot ici, c'est vraiment une seule et unique histoire. Et on va être du coup sur un manga qui va être quand même assez 50-50, 50% histoire, 50% relation charnelle. Et où le scénario est très intéressant, les relations charnelles ont une logique à leur présence. C'est pas de comme par exemple juste avant c'était quoi déjà Bon Appétit Sakura, où il y a des relations qui n'ont pas lieu d'être, je trouve qu'elles sont là juste pour nous faire triper plutôt qu'autre chose, pour du fan service et compagnie, plutôt que pour le scénario en lui-même. Là non, et en plus ce que j'aime vraiment dans ce manga, c'est vraiment l'un de mes hentai préféré, et tu verras dans la barre d'infos, ça va être d'ailleurs, il va être tout en haut du classement, surtout pour ceux qui ont vraiment une histoire de A à Z, tout simplement parce qu'on va nous aborder donc Ma Nouvelle Femme. En fait, on suit les aventures d'un homme qui a déjà eu un enfant avec une femme, sauf que sa maman n'est plus là, je crois qu'elle est morte. Il me semble bien qu'elle est morte. Et en fait, tout simplement, son papa s'est remis avec une dame, ce qui paraît logique. Et donc, on va suivre dans ce manga autant la peur de la femme. Est-ce que le gamin arrivera un jour à me considérer comme sa maman parce que je l'aime de tout mon cœur et j'aimerais qu'il soit comme mon enfant?
enfin voilà, elle l'aime comme si c'était son propre enfant. Et on va aussi aborder le côté de l'enfant qui, en fait, tout simplement parce que finalement, vu que c'est un nouveau couple, ils ont envie d'essayer d'avoir un enfant à eux deux. Et en fait, on nous aborde donc le petit garçon qui a peur en fait que si la dame en question a un enfant avec son papa, il a peur en fait, il se dit, est-ce que tu m'aimeras encore alors que je suis pas ton enfant officiel ? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. En plus, on le voit grandir un petit peu. Et c'est vraiment un manga trop mignon et qui est vraiment très agréable. Et ça fait du bien. Surtout que voilà, c'est un taille. Mais en fait, moi, je le considère plus comme un josei 16+, plutôt qu'un taille en soi. Si on suit la playlist, après Body Body, en fait, je tombe sur les trois animés. Donc ce que je vais faire, c'est que les animés, je te les présenterai en dernier. Comme ça, si tu n'es pas intéressé par les animés, tu pourras très bien zapper. Et puis voilà, tout simplement, ça permet aussi de regrouper 4 titres d'affilée qui sont du 18+, même si je tombe en fait en continuant sur un manga donc de Hot Manga qui est donc Virgin Control. Alors, Virgin Control... Franchement, c'est un que je n'ai vraiment pas apprécié. En fait, du coup, dans Hot Manga, Virgin Train, Virgin Control, qui sont du même auteur, je ne les ai pas appréciés. Et les deux autres, je les ai appréciés. Donc, en fait, Virgin Control, on suit les aventures d'une jeune fille et en fait, qui est considérée comme une déesse, je crois, ou la princesse, enfin un truc comme ça. Tous les garçons la respectent, personne ne veut y toucher, tout simplement parce que justement par respect pour tous les autres. Et en fait, un jeune homme qui a des pouvoirs en fait plus ou moins psychiques arrive en fait à lui créer des illusions dans sa tête où elle va, parce qu'en fait tout simplement ça montre ses illusions sont créées de son esprit, donc c'est en fait ce que elle est au fond d'elle, une grosse perverse en fait qui n'a envie que de ça. Et donc on va nous montrer plusieurs façons dont elle se fait au final violer. C'est là où j'avais un petit peu du mal, c'est que ça finissait par être quand même un viol plutôt qu'autre chose. Et là où j'ai eu du mal en fait, c'était tout simplement à me dire, est-ce qu'on considère que c'est un viol alors que c'est dans son cerveau que c'est elle qui l'a plus ou moins décidé? Et à quel moment en fait faut le enfin voilà, par rapport à l'histoire, j'avais du mal entre le fait que ça puisse être un viol et que ça soit dans ses pensées, donc au final c'est elle-même qui a envie d'être violée. C'était assez particulier, je ne savais pas du tout où me placer et donc forcément j'ai eu vraiment du mal avec cette histoire. On continue avec le manga Bleu Azur qui est donc un manga à seul tome, honnêtement qui est des éditions Soleil, par contre je ne m'en rappelle pas spécialement, je sais que c'était quand même, il me semble, un chapitre, une histoire, mais il ne m'a pas des masses marquées, donc sur allez on va dire presque 30 hentai que j'ai pu lire, si j'ai vraiment aucun souvenir du tout de lui, c'est que vraiment il n'a pas été folichon et je crois que la qualité des dessins n'était pas oufissime. Je vois deux fois Bon Appétit Sakura, j'ai laissé les deux avis, ou alors c'est que moi je peux accéder et pas toi. Aqua Bless qui est un one-shot des éditions Taifu dans leur collection Sans Interdit. Aqua Bless, il était plutôt pas mal en ce qui concerne ce hentai. Il a conseillé aux 16 ans et plus. Et en soi, franchement, il était plutôt pas mal. Après, il y a pas mal de petites choses qui m'ont déçu, mais il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont plu. Donc voilà, après, va voir la vidéo vraiment pour avoir plus de détails. Mais dans l'ensemble, il a été plutôt pas mal. Beauty Reaction. Déception. Honnêtement, si je ne me trompe pas, c'était une déception tout simplement parce que déjà sur l'illustration, on voit encore une fois deux filles ensemble et à aucun moment, voilà, il y a deux filles ensemble. Et il me semble quand même que j'ai été vachement déçue en ce qui concerne ce manga. Et on est sur, je ne sais jamais comment ça se dit, Sex 3. Je ne sais pas du tout. Toujours est-il, c'est un manga donc de Renya Sabashi et c'était tout simplement une excellente œuvre. Ce que j'adore avec Renya Sabashi, c'est que autant elle va te mettre des fois des trucs très durs ou très spécial, et après elle va tomber sur un truc assez fun, et elle va retomber sur un truc un peu plus excentrique, et après un autre truc fun. Par contre, si je dis pas de bêtises, c'est quand même un auteur qui présente quelques histoires incestes. À vérifier sur ma vidéo, ça je le précise à chaque fois quand il y en a, mais voilà. Hot Infusion, toujours de Renya Sabashi, et aussi très très bonne lecture. On continue avec Après les cours, qui est un manga, là aussi, où on va avoir surtout des jeunes filles que l'on retrouve, donc, comme ça le dit, après les cours, où on va suivre donc que des étudiantes qui le font, pareil, en uniforme, etc. Ça ressemble assez à étudiantes coquines, quoique étudiantes coquines, je crois qu'on n'était pas que quand même sur des étudiantes. Après les cours, ça c'est sûr, c'était concentré dessus.
Donc on a bientôt fini en ce qui concerne les hentai, parce qu'il m'en reste que 3 hentai à te présenter, en manga je veux dire. Donc on va voir Sexy Lust. Honnêtement il était plutôt sympa dans l'ensemble, mais ça c'est vraiment une vidéo très très récente, donc qui date du mois d'avril si je dis pas de bêtises. En soi il était plutôt pas mal, mais il était pas officime vu que je l'ai revendu et que voilà, il était pas mal mais c'est pas celui que j'ai préféré. D'ailleurs je te mettrai en fait dans la barre d'infos, je te mettrai tous les titres vraiment que j'ai adoré. Et ceux où j'ai bien aimé ou quoi, je te les mettrai pas, je te mettrai pas dans la liste, tu verras que ceux que j'ai adoré. De toute façon, il n'y en a que deux que j'ai détesté, donc ça va très vite. On continue donc avec les deux hentai qui me restent à te présenter pour moi, donc qui seront sortis au mois de mai. On va avoir d'abord Hot Stuff, qui est de Renya Sabashi. Donc, à savoir que dans Renya, pour les auteurs de... pour les mangas, pardon, de Renya Sabashi, mes préférés sont Sex 3, puis Hot Infusion, puis Body Body, et en dernier, donc Hot Stuff. En soi, le manga est sympa, je dis pas le contraire parce que je l'ai vraiment apprécié. Et les histoires sont assez fun, franchement je me suis bien fendu la gueule au niveau de ma lecture et j'ai vraiment apprécié, surtout certaines histoires, mais ça je te les ai présentées et développées ce qui s'est passé dans ma vidéo, puis comme ma date d'il y a même pas un mois, je t'invite tout simplement à aller la voir. Pour ce qui est par contre de Masochist Club, ça a été une énorme déception. Pourquoi ? Parce qu'au départ on nous promet un scénario et en fait on croit qu'on va être sur un chapitre, une histoire où... plusieurs chapitres mais dans la même école, et au final on n'est pas du tout sur la même école et pas du tout dans le même milieu. Donc ça déjà ça a fait une grosse déception pour moi. En plus de ça, il y a dans la deuxième histoire carrément un viol, et j'ai vraiment du mal avec les viols, je pense que tu sais pourquoi. Donc forcément j'ai eu un petit peu du mal à continuer. Après j'ai lu le troisième chapitre et j'ai complètement décroché, donc j'ai très très vite décroché en ce qui concerne... Je crois que j'ai décroché au chapitre 3 pour Masochist Club. Ça correspondait pas du tout en fait à ce que j'attendais, à ce que je cherchais en l'achetant. Parce que oui, je cherchais bien une lecture en particulier en l'achetant. Et j'ai pas du tout eu ce que je voulais. Donc forcément, gros flop. Il fait vraiment partie de mes flops hentai que j'ai pu avoir. Donc on passe maintenant aux 4 animés hentai que j'ai pu lire. Et je viens de me rendre compte quand même que j'aurais pu filmer derrière mon fond bleu, mon nouveau fond bleu, plutôt qu'avec ça. Sachant que ça casse complètement le délire du hentai. Toujours est-il, en ce qui concerne donc les animés, je vais d'abord te parler de Nikutai Tenni. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Donc celui-ci, ça a été le plus gros flop au niveau des animés que j'ai pu voir. Donc qui étaient les 4 viennent, ce sont des DVD que j'ai eu qui venaient donc... de la maison d'édition Hot Manga, parce qu'ils faisaient des coffrets un manga et un DVD et t'avais le DVD offert. Et en ce qui concerne Nikutai Tenni, vraiment on était parti dans un truc où au final les gens ils s'en foutaient de coucher avec la personne même s'il n'y avait pas la bonne âme. Donc en fait t'as l'âme de Stitch par exemple qui va aller dans le corps de Pandou, t'as l'âme de Pandou qui va aller dans le corps de Tirou, et t'as l'âme de Tirou qui va aller dans le corps de Stitch. Voilà, on a fait un triangle. Et en fait, Tigrou, la personne qui est dans le corps de Tigrou, est amoureuse de Stitch. Bah même si c'est pas l'âme de Stitch qui est dedans, Osef, c'est avec ton corps que je couche. Et ça, personnellement, ça me dérange énormément parce qu'on n'aime pas que un corps, on aime principalement une âme, soyons honnêtes. Et donc, moi, personnellement, ça m'a énormément dérangé parce qu'au niveau de l'histoire, ça pouvait être fun. Mais après, en soi, franchement, c'était nul. C'était du sexe pour du sexe pour du sexe. Par contre, à savoir qu'il y a une scène Yuri. Donc ça, si tu aimes le Yuri, vas-y, fais-toi plaisir. Tu auras une belle petite scène. Mais voilà, franchement, moi, ça m'a énormément déçu parce qu'au final, le scénario était bof. On va faire dans l'ordre inverse, en fait, de ce que j'aime. Donc forcément, je vais commencer par le pire et je continue avec le deuxième. Voilà, donc numéro 4, là on est avec le numéro 3 dans l'ordre de préférence. Ça va être Genmukan, je sais pas trop comment ça dit, le manoir des fantasmes. Donc en ce qui concerne le manoir des fantasmes, il est plutôt pas mal au niveau de l'idée de base. Sauf qu'en fait, la fin, on va se retrouver tout simplement sur... l'idée en soi était bonne, mais la fin... ça finit en queue de poisson en gros. Pour te donner une idée, tout simplement on est sur une jeune fille qui est un enquêteur. Et l'enquêteur va forcément coucher avec certaines pour avoir des informations. Ça ne me dérange pas. Par contre, on nous conclut ça à base de pouvoirs magiques.
Tout va bien. Voilà. Si tu aimes aussi les scènes avec plusieurs filles, tu auras de quoi te faire plaisir car tout simplement, on va avoir une belle séance lit avec trois filles ensemble. J'en dis pas plus. On continue donc avec le numéro 2, donc dans mon ordre de préférence. Alors honnêtement, il se vaut presque, mais j'ai quand même une préférence pour l'un en particulier. On va avoir tout simplement lingerie office, donc fantasme au bureau. Alors en fait, en ce qui concerne celui-ci, on suit tout simplement un homme qui a été embauché dans une société pour l'espionner et pour voir en fait ce qui se passait et quels étaient les problèmes. Et en fait, on se rend compte tout simplement qu'on est dans une société de vente de vêtements de lingerie féminine et que tout simplement pour faire les ventes, on laisse certaines des employées coucher avec tout simplement les gens qui seraient prêts à acheter la marque et à... On va dire tout simplement les revendeurs, tu sais, comme par exemple, il y a des magasins où tu as plusieurs marques de présenter dans une seule enseigne. Et là, c'est un peu les patrons de ces enseignes-là qui ont envie de présenter la marque, mais il paraît que on a droit à certains avantages si on accepte de présenter votre marque en nature. Donc voilà, et en fait, tout simplement, donc l'enquêteur va forcément mener son enquête en couchant avec toutes les filles. Mais je trouve que les scènes étaient quand même plus ou moins bien choisies, que chaque scène charnelle avait plus ou moins sa logique. Donc oui, forcément, il se tape toutes les filles qui sont présentes, ok. Mais en fait, c'est quand même plutôt fun. Et puis, au final, pour mener son enquête dans ce genre de hentai, t'es obligé de coucher avec tout le monde. Donc ça colle. Il n'y a pas trop de scènes de... Il me semble qu'il n'y avait pas trop non plus, c'était pas abusé. Et c'était plutôt intéressant. Donc voilà. L'idée en soi était assez fun. Ce qui est dommage, c'est que l'auteur a un petit peu oublié son histoire pour se concentrer sur les scènes charnelles et un petit peu oublié son scénario, ce qui est bien dommage parce que sinon ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il me semble que je l'avais dit qu'un épisode de plus aurait pu être beaucoup mieux. On termine donc côté animé avec mon préféré, mais comme je te l'ai dit, ça équivaut vraiment avec Lingerie Office, avec Men in the Heaven Super. Je sais pas plus. Alors, en ce qui concerne celui-ci, en fait, on suit les aventures de deux meilleures amies et la jeune fille, en fait, a toujours rêvé d'être la maid du garçon, tout simplement parce qu'elle en est redingue amoureux. Et on va suivre tout simplement leurs aventures et on va voir tout simplement que le garçon, il en profite. Il est bien heureux d'ailleurs de pouvoir rentrer tous les jours à la maison et avoir sa propre petite maid personnelle. Donc, on va alterner, en fait, tout simplement, on va surtout aborder les fantasmes des garçons, de fantasmes avec la maid. Et tout simplement les fantasmes qu'il peut assouvir, tout simplement, et la jeune fille qui va jamais grand lui, enfin, lui refuser grand chose, pardon, je vais dire l'inverse. Toujours est-il que c'était quand même un animé plutôt sympa, bien qu'il y avait quelques petits points qui m'ont un petit peu dérangé dans l'animé, mais ça, je te laisse voir la vidéo si ça t'intéresse. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker et pourquoi pas la commenter. N'hésite pas à me dire quels sont toi les titres, par exemple, que tu voudrais que je teste ou quels sont les titres que tu me conseilles, surtout en animé, parce que j'ai pas du tout d'infos côté animé, j'ai pas du tout de retour côté animé, je sais pas du tout par quoi commencer, quels sont les trucs à éviter, les trucs à absolument voir, etc. Il y a un truc à bouger, c'est du peur. Toujours est-il, n'hésite surtout pas aussi à aller voir dans la barre d'infos, donc je te mettrai les titres vraiment que j'ai surkiffé, que je te conseille vraiment à mort. À voir donc aussi la playlist des vidéos hentai et je te mettrai dans la barre d'infos aussi les titres en hentai que j'envisage de lire parce que je te mettrai par maison d'édition les titres et tu n'auras plus qu'à aller voir tout simplement sur le site Manga News ou Notijon ou ce que tu veux pour avoir plus d'informations sur les mangas en soi, mais n'hésite pas et surtout s'il y a un titre que tu as vu dans la liste que je veux lire et que tu aimerais un avis, n'hésite pas à me contacter même en message privé pour me dire, Ibi, celui-ci, j'aimerais bien un avis, est-ce que tu peux pas essayer de le glisser dans les prochains que tu vas lire, etc. Par contre, je tiens aussi à en profiter pour te prévenir que pour l'année scolaire prochaine, donc 2018-2019, je ne sais pas du tout si on va rester sur un rythme de 2 hentai par mois ou si je ne vais pas descendre à 1 et que le deuxième, ça sera du bonus. Je dis ça parce que tout simplement, en fait, en quasiment 20 jours, j'ai lu 3 hentai et en fait, c'était un petit peu trop. Et voilà, en fait, j'aime bien le hentai, mais à petite dose. Donc forcément, déjà, ça a joué. Et puis, quand je vois la quantité de hentai que j'ai lu, je me dis qu'en même temps, c'est pas que c'est répétitif. C'est surtout qu'en fait, on a surtout un chapitre, une histoire. Et ça, c'est pas vraiment mon délire. Hein. Moi, je préférerais quand même un hentai avec une histoire de A à Z, comme il y en a eu quelques-uns que j'ai pu lire. Donc voilà. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à aller voir la vidéo en recommandation et à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner. Sur ce, à bientôt!